Le dépôt souterrain était un endroit effrayant, et je n'avais aucune idée où chercher ni quoi. Mais je me refusais à croire que tous mes efforts avaient été vains. Salut à toutes et à tous, c'est Mac pour GamingLife.fr. Nous nous retrouvons sur Métro 2033. Nous sommes dans les sous-sols de la bibliothèque Lénine. Toujours à la recherche de documents concernant la base secrète T6. Et là, vous pouvez voir que nous ne sommes pas seuls puisqu'il y a un bibliothécaire qui nous barre le chemin. Alors, on peut le contourner, c'est d'ailleurs ce que je vais tenter de faire. Alors, il faut esquiver tout ce qui est morceaux de verre, tout ce qui est débris métalliques comme la porte qui était au début tout à l'heure. Là, on peut ramasser vite fait les pics. Oula. Oh. Alors, là, il m'a entendu, mais je peux quand même plus ou moins jouer à cache-cache avec lui. Alors, oula. Hop. Putain de chaise. Bon, apparemment, c'est plutôt pas mal. Il a pas l'air de m'avoir capté. Ici, il faut faire très attention parce que les escaliers s'écroulent. Dès que vous entendez ça, bougez parce que ça pète. Et la chute est... voilà, assez vertigineuse quand même. Bon, là, je vois que ça va se péter en face. Hop. Putain. Tout cela n'est pas très très rassurant. Voilà, c'est une mauvaise manipulation. Remettre le masque vite. On est toujours en surface, hein, donc toujours besoin du masque. Je serais tombé de pas beaucoup plus haut, je serais mort. Hein. J'entends des grognements, donc je vais attendre de récupérer un peu de points de vie. Alors, est-ce que je peux m'infiltrer? Ouais, non, là, il m'a vu. Oh, la saloperie! Voilà pourquoi j'adore ce fusil à pompe, c'est vraiment l'arme idéale contre les bibliothécaires. Vraiment, la mitraillette fait trop peu de dommages, vaut mieux avoir le fusil à pompe. Et quitte à avoir un fusil à pompe, il vaut mieux avoir celui-là parce qu'il est... à mon goût, c'est le plus puissant de toute façon. Il tire vite, on peut tirer en rafale. Et surtout, grande contenance quoi. 20 cartouches, ça vous oblige pas à recharger à chaque fois que vous tirez. Ça, c'est vraiment très appréciable. Le souci ici, voilà, c'est vraiment moi, c'est ma crainte à chaque fois que j'arrive là, c'est les munitions. Vous voyez, les bibliothécaires sont ultra gourmands en munitions de cartouches, en munitions de fusil à pompe. Ils sont ultra gourmands. Comptez à peu près une quinzaine, si vous êtes chanceux, de cartouches pour en tuer un. Donc c'est vrai que les cartouches, ça part super vite. Bon, là je suis un peu coincé, c'est où qu'il faut que j'aille déjà? Ah oui, voilà. Bah oui. En fait, j'avais déjà regardé et je m'étais dit non, c'est pas le bon chemin, mais en fait si, c'est le bon chemin. Bah donc je vous disais, les cartouches de fusil à pompe, là c'est vraiment très très précieux. Le problème étant que si vous êtes à sec, vous allez être obligé de prendre votre mitraillette, et la mitraillette n'est pas du tout efficace quoi contre les bibliothécaires. On a un peu l'impression de piqûre de moustique quoi. Faut y aller avec pas mal de munitions, ça les freine pas trop, donc c'est pas super pratique. Tant que j'ai des cartouches de fusil à pompe, c'est plutôt pas mal. Il a pas eu trop de chance apparemment. Ta gueule. Petit passage sympathique. L'avantage de ce fusil à pompe, c'est qu'il n'est pas spécialement rapide à recharger. Bon, il n'est pas non plus trop lent. Oh, oh là, je m'en rappelle ce passage. En fait, je suis dans la tanière. Là, je suis en plein dans la tanière des bibliothécaires. Vous voyez, il fait dodo l'animal. Il est mignon. Ah, quand il dort, moi, il me dérange pas du tout. Hein. Presque, j'ai trouvé mignon, effectivement. Juste quand il dort. Alors, il est possible de s'infiltrer.
peut tourner une manivelle, ça va peut-être les bouillanter. Ouais non, en fait, c'est que dalle. Oui, on peut s'infiltrer, on va se la jouer à la Metal Gear Solid. Le truc étant qu'on ne voit pas grand chose, on peut pas forcément toujours allumer sa lampe torche parce que ça leur fout de la lumière dans la gueule, quoi. Et il faut éviter de marcher sur un truc qui craque. Aïe, pas comme ça, quoi. Oh, meurs. Oh. Putain, le cadavre m'est carrément tombé dessus, quoi. C'est énorme. Enfin, le cadavre, oui. Oh, putain. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a craqué quand j'ai marché dessus? C'était un os. Il y a des ossements un peu partout par terre. Comme vous pouvez voir, et quand on marche dessus, bah, ça fait crac. Donc c'est sûr que dans le noir, c'est pas trop pratique. Le problème étant qu'il y a quand même un petit peu de lumière, et c'est cette espèce de plante stalagmite luminescente qui fait que si vous utilisez vos lunettes infrarouges, vous êtes complètement aveuglé. Vaut mieux même pas les utiliser, quoi. Pas trop loin de la fin normalement. Oui, ça pique. Enfin bon, ça. J'aurais dû m'en douter vu la gueule des planches de bois. C'est vraiment salaud comme piège parce que c'est pas suffisant pour nous tuer, mais c'est juste suffisant pour nous faire perdre un peu de temps et pour qu'on râle. Ouais, on peut sauter ou sinon, en fait, la solution la plus simple, hein, la moins dangereuse, c'est de passer sur ces cons tuyaux. Ça, au moins, ça se pète pas la gueule. Non, mais... J'entends des bruits pas très très rassurants. Alors... Ouais, encore une tanière, donc il y en a encore un qui dort. Celle-ci est quand même plutôt pas mal éclairée, donc je devrais pas avoir trop de mal. On va passer, tiens, je vais essayer de le contourner tranquillement. Je fais bien gaffe là où je marche. Voilà, on prend son temps et ça passe tout seul. On va épargner quand même des munitions, il n'y a rien dessous. Franchement, si on peut s'épargner des munitions, faut pas hésiter. Hein. Ma foi, tout est bon à prendre. Ouais, alors là, pas trop de bruit non plus parce que il est juste en dessous, hein, il y a des trous. Et les bibliothécaires sont quand même bien capables de sauter. Peut-être fouiller un petit peu quand même. Sans faire trop de bruit, certes, mais fouillons quand même. Surtout que ce coffre m'a l'air très intéressant. Ouais, niveau temps, c'est nickel, ouais. Y'a rien derrière le bureau. Bon. C'est pas tout ça, on papote, mais le temps passe, on va finir la bibliothèque. Normalement derrière cette porte.
J'avais trouvé les documents D6, mais Melnik n'était pas encore revenu. Sans son aide, je n'étais pas certain de pouvoir sortir vivant de la bibliothèque. Mais tout reposait sur cela. Seul avant-poste humain là-bas en notre connaissance. La base en plein air de Sparte. Faites un œil autour. Pour l'instant, je vais regarder les documents que t'as apportés. Bienvenue à Sparte. C'est plutôt sympa comme endroit. C'est dommage que ce soit trop petit, on n'a pas vraiment le temps de profiter de l'ambiance. D'ailleurs, je me demande pourquoi on peut respirer alors qu'on est en surface et à mon avis l'église est pas trop hermétique, mais bon. Comme je surveillais la radio, j'ai capté pas mal de trucs bizarres au début aussi. Je vous laisse écouter. La Sibérie restait silencieuse, mais les autres émettaient, dont les sous-marins nucléaires stratégiques. Ils attendaient les ordres. Doit-on les frapper? Personne croyait à la disparition de Moscou. Les capitaines pleuraient comme des gosses. Les membres des équipages me demandaient si leur famille était parmi les survivants. Mais je pouvais rien faire. Certains équipiers ont décidé de se venger et se sont mis en position de tir. D'autres ont jugé qu'il était inutile de faire couler davantage de sang puisque tout le monde était perdu. Les sous-marins ont continué à émettre pendant longtemps. Ils pouvaient rester en plongée pendant plus de 6 mois. Certains ont été détruits, mais pas tous. J'ai froid dans le dos quand je repense à tout ça. J'aime écouter ce genre de petits dialogues pour raconter un peu tout ce qui s'est passé avant l'histoire de Métro, quoi. On voit une belle petite base, hein, quand même, bien fortifiée. Salut Artyom, je m'appelle Vladimir. Choisis ce que tu veux. Alors là, le moment qui fait plaisir, on peut se servir. Ouais. Tout est gratuit, on refait de plein de munitions et de jeux, je sais que j'en ai besoin sur tous les cartouches, là, ouais. Oh oui. Ça, on s'en fout. On les prend, mais ça va pas me servir parce que j'ai pas d'armes qui utilisent des billes de fer. Et on ne croisera plus de marchands jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est vrai que le matos qu'on utilise pas, on s'en fout, mais bon. Ouais, non, je vais garder mon arme bien silencieux. C'est joli, hein, une belle collection quand même. Fusil à pompe, j'ai le même. Le meilleur fusil à pompe pour moi d'ailleurs. Un nouveau masque à gaz, ça peut servir. Bon, après, trousse de soins et filtre, je suis au max. Bon, ça m'a l'air assez bon. Joli arsenal quand même, hein. Ça fait plaisir de se refaire une santé après le passage à la bibliothèque. Tu trouveras pas de truc pareil dans le métro. C'est l'équipement militaire dernier cri. Ok. J'aime cette ambiance quand même.
Comme je disais, c'est dommage que ce soit un peu trop petit. Un mini village ça aurait pu être bien, mais bon. D'un autre côté, c'est une base, voilà. Comme ils disent, c'est un avant-poste. Ah, salut Artyom. Ah, salut Ullman. Bois de chauffage, ouais. Il doit pas faire très chaud ici. Et je vous propose de retrouver un vieux camarade qu'on pensait pas revoir. Que j'ai plaisir à rencontrer à nouveau. Bonjour Artyom. Je t'avais dit qu'on se reverrait. Les Rangers ont construit une belle base. On m'a dit que tu n'avais pas reçu d'aide de police. Que fais-tu ensuite? Tu ne dis rien? Tu deviens un vrai Ranger? Fais attention à la route que tu empruntes, Artyom. Et n'oublie pas comment elle peut se terminer. On récolte ce que l'on sème, Artyom. La violence engendre la violence, la guerre amène la guerre, et la mort apporte la mort. Pour briser ce cercle vicieux, on doit faire plus qu'agir sans réfléchir ni douter. Bon, Artyom, j'ai beaucoup trop parlé. Il est temps de partir. Au revoir. Quand même un personnage que franchement, moi j'adore. Je regrette d'ailleurs qu'on ne le voit pas plus, hein, c'est la dernière fois qu'on le voit. Qui nous accompagne pas plus. On peut voir que Melnik et Khan se ressemblent vachement au niveau du chara-design. Y'a pas grand chose d'utile là-dedans. Des pistes tout au plus. Même si ces documents donnent le chemin vers D6. Notre prochaine destination. T'es prêt? Ouais. Bon, de toute façon, une fois que vous avez pris une mission, il n'y a rien d'autre ici. Hein. Tout est prêt, Ullman? Le bois est coupé. Vladimir? L'équipement est prêt. Et vous les gars? Prêt? On bouge alors! Quoi, juste nous ça quoi? On y va à 6? Bon bah un convoi de 6 stalkers voilà pour arpenter le métro. Un tunnel sombre, des bruits de ferraille et l'odeur de la mort. C'est ainsi que notre voyage vers D6 avait commencé. Mais notre but semblait plus proche à présent. Donc nous dirigeons vers la base D6, c'est l'avant-dernier chapitre du jeu. D'arriver à D6. Le plus court, c'est de passer par les installations près de Kievskaya. On va essayer ce chemin. Kievskaya? J'ai entendu des choses étranges à propos de cette station. Il y a eu une explosion dans le tunnel et de nombreuses personnes ont été enterrées vivantes. La rumeur dit qu'elles ont survécu, mais qu'elles ne ressemblent plus à des humains. On raconte aussi qu'un phénomène étrange se produit dans ces tunnels. Une sorte de brouillard. C'est sûrement des conneries. Bien sûr. J'y crois rien à ça. Vladimir a perdu toute sa famille dans les tunnels. Où ça tangue. Et il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Artyom, qu'est-ce que t'as? Hé les gars, Artyom a un problème. Oh putain, bad trip. Toi, maman? Oh putain! Artyom! 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 Encore des selles! Oh là, la gueule de bois! Réveille-toi, Artyom, réveille-toi! Bien, y reprends. L'éclairez pas, on est en train de l'aveugler. Artyom, tu vas bien? Eh ben, tu nous as fichu une sacrée trouille. Artyom, qu'est-ce qui t'a pris? Tu peux tenir debout? Ici.
pas de soucis. Surveillez vos arrières, les gars. Et bah c'est ici que nous allons nous quitter. On se retrouvera pour l'avant-dernière cross-party de métro. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut.